walk by my side, you'll find the peace of your soul. Don't look no more, you will not be saved, 'cause you don't know yet what love is. Walk by my side, you'll hear the voice of truth. Someone will come and guide your steps through worlds of goodness with me. If you believe me, you'll know to love me. You will be free as the wind. If you believe me, you know what is right and what is wrong. Walk by my side, you'll see the sun that shines up on the hills and in the sky. If you will walk by my side. You'll see the sun that shines up on the hills and in the sky. If you will walk by my
C'est spirituel sans doute. C'est très spirituel de ta part, fils de putain. Je crois que tu ferais bien de ne pas me dire ça deux fois, fils de putain. Tâche de ne pas me faire rire, morveux. Parce que je sens que malgré moi, je pourrais faire basculer la gâchette. John, lâche ton pistolet! Je t'ai dit de le lâcher! De faire tuer, pauvre idiot. Tu ne sais pas que ces deux-là sont Lord et Burt. Quand ils arrivent quelque part, l'odeur de la mort les précède toujours. Tu es nerveux, mon ami. C'est parce que tu as peur que tu n'oses pas me répondre? Non, non, monsieur. C'est vrai, non, je ne sais rien. Ici, personne ne sait rien. Bien sûr. Toi non plus, tu ne sais rien. J'ai jamais vu un endroit pareil. Les habitants ne disent rien, ils ne savent pas parler. Dans ce pays, il y en a un qui sait tout. C'est M. Forrester. Mais il n'est pas bavard, surtout avec les étrangers. Dites donc, qu'est-ce que vous lui voulez au juge Warren, vous et votre ami? Saurais-tu garder un secret? Certainement, monsieur. Bravo, ben moi aussi. Ah. Je n'apprécie pas du tout les bavards. Ils sont dangereux comme la peste. Mais je n'ai parlé de rien, monsieur Kelson, je vous le jure. On ne dirait pas.
Aujourd'hui, tu n'as pas été trop bête. Et tu as bien fait de fermer ta grande gueule. Tu as très bien fait, Smith. Je ne t'ai pas fait trop mal. Mais ça, c'est urgent. John et sa bande de charognes ont été liquidés cette nuit à Jacksonville. Stop. $0.50 pour le télégramme. Passe à la caisse. La caisse de sapin, c'est ce que je veux dire. Edda. Il ne faut jamais se fier aux apparences, petit. L'habit ne fait pas le moine. Savoir que c'est pas joli d'être curieux, l'ami. Et voilà ce qui arrive aux curieux de ton espèce. Toi sur le toit. Toi par là, derrière. Soyons prudents. Thank you.
dangereux d'imiter les chats et de se promener sur les toits la nuit. Ça me fait de la peine de les voir partir si jeunes. Maintenant. Bien silencieux sans ton chien de garde pour te protéger. Je suis ici, John. John. Et maintenant, ton pistolet est vide, hein? Lève les mains en l'air. Tu ne m'auras pas, salaud! Magnifique! Raconte-moi donc ta visite au ranch des Forrester. Le vieux ne veut pas de visite. Ses hommes tirent d'abord et demandent ensuite ce qu'on veut. Et voilà. Bien, bien, bien. Les habitants sont des lâches, patron. Ils se sont bouclés dans leur maison et ils disent qu'ils n'en sortiront pas tant que Lord et Burt seront par là. Combien y a-t-il d'absents aujourd'hui au saloir? Tous, patron. Ils ne sont pas venus. Il n'y a que les deux gardiens. Antonio. Miguel. Mais que leur est-il arrivé? Monsieur Forrester. Si je ne me trompe. Je te conseille de lâcher ce pistolet. Burt! Toujours présent, Lord. Dago.
Soyez les bienvenus, messieurs. J'ai beaucoup entendu parler de vous, plus encore que du bon Dieu. Espérons qu'il ne sera pas trop vexé qu'on nous fasse une telle publicité. Bon, je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps, je suis ici pour une raison sérieuse. Que pouvez-vous me dire sur le juge Warren? Avec votre façon de poser des questions, je n'envisage aucune conversation. C'est que je suis impatient. Impatient de savoir. Et dans le village, personne ne veut parler. C'est pourquoi vous êtes venu chez moi. J'avais entendu dire que vous étiez le patron. Et d'après moi, un patron, ça n'a pas peur. C'est que je ne sais pas grand-chose. Mais ça peut me suffire. Vous avez certainement un bon motif pour insister à ce point. C'est vrai. Le juge Warren est tout prêt à payer pour notre dérangement une très belle somme. Nous ne sommes pas des amateurs. Nous sommes des professionnels. Vous comprenez? J'ai promis $1,000 à qui donnera des nouvelles du juge Warren. Ce n'est pas beaucoup. Cessez d'être insolent. Warren est mon ami. Et combien offrez-vous en général pour un ennemi? On dirait qu'en parlant du juge Warren, on risque de mourir. Et je ne connais personne qui voudrait mourir pour $1,000. $1,000, c'est un bon prix, même pour des professionnels. La proposition m'intéresse. Mais le prix, non. On se reverra, Forrester. Imbécile. Tu n'es guère plus intelligent qu'eux, Jason. Tu sais te servir de ton pistolet, mais pas de ta cervelle. Ces deux-là sont sur le point d'enlever sous ton nez la somme de $500,000, et toi, tu oses me reprocher de ne pas savoir me servir de ma cervelle. Les pistolets règlent les choses, pas tes discours. Jason. Père! Je donne les ordres, si tu le sais. Et tu dois les exécuter sans discussion. Patiente, le moment viendra où tu pourras te servir de tes pistolets, mon garçon. Tu te trompes, père, parce que c'est maintenant le moment de tuer. Lord, on est arrivé trop tard. Tu veux que je te dise? Ça ne me fait pas plaisir que mes amis disparaissent. Non, pas plaisir du tout. Je suis bien de ton avis. Bert, nettoie bien ton fusil. Vois-tu, j'ai dans l'idée que d'ici peu, le cimetière de ce pays va être surpeuplé. Oui, Bert, moi, je ne crois pas à cette histoire. J'apporte votre déjeuner. Ça va, entre. Messieurs, excusez-moi, mais je n'ai pas trouvé ce que vous aviez commandé. Ici, on ne mange que du lard avec des haricots. Et pour les palais plus raffinés, c'est des haricots au lard. Ça, c'est une marque que Jason Forrester m'a faite avec son maudit fouet. Pour se distraire, comme il dit. Mangez aussi vite que possible votre déjeuner, car le juge Warren... Oui, le juge Warren vous attend dans une heure, dans la remise abandonnée qui se trouve au bout du pays. Hé hey! Non, non, je ne veux aucun remerciement. J'ai la mauvaise habitude de mêler des affaires des autres. Thank you.
Ça fait longtemps que je vous attends. Si nous sommes un peu en retard, c'est que nous avons échangé quelques idées avec une patrouille de Yankees. Vous savez qu'ils ont toujours une dent contre nous autres sulistes. J'espère bien que vous les avez liquidés. Mais la guerre est finie depuis longtemps, monsieur Warren. On nous qualifierait maintenant de meurtriers. Lord, que c'est une somme de 500 000 dollars que nous cherchons. Cette somme fabuleuse représente l'entière réserve d'or de la Confédération sudiste. Il faut à tout prix que nous retrouvions cet or. Grâce à lui, le Sud pourra enfin revivre. C'est intéressant, car Burt et moi sommes du Sud. J'espère qu'on nous en versera une bonne partie. 20 000 dollars. Mais vous risquez votre vie. Pour cet or, on a cherché à me tuer. J'ai dû abandonner ma famille, ma maison. Me cacher comme un voleur dans ce pays. Oui, ça, je l'avais compris. Les juges n'ont aucune raison de se dissimuler dans les granges ou les greniers comme les rats. Mais venons-en au fait. Vous ne m'avez pas fait venir jusqu'à ce trou pour me raconter des histoires à dormir debout. Non, Lord, je t'affirme que l'or de la Confédération existe. Il est caché ici, à Lewistown. Le colonel Forrester me l'avait confié avant de mourir. Les Yankees ont cherché cet or partout. Ils ont même été jusqu'à dévaster sa villa et puis ils l'ont tué. Mais avant de mourir, il a eu le temps de me parler, de prononcer deux noms. Régine et Camelot. Le nom de sa fille est celui d'un poème. Une fille et un bouquin. Où sont-ils? Le livre. J'ai employé tous les moyens. J'ai fouillé toute la villa. J'ai cherché même dans le jardin. Tout ça sans résultat. Et je suis absolument certain que c'est dans la bibliothèque du fils Forrester que vous trouverez ce livre. Il n'y a aucun problème. Nous irons volontiers inspecter les lieux quand vous voudrez et sans demander la permission au Forrester. Pas vrai, Burt? C'est sûr. C'est sûr qu'il faut y aller. Il n'y a pas à hésiter. Et la jeune fille? Je lui ai conseillé de revenir dans sa maison. Tenez, lisez, voici sa réponse. Elle n'habite pas par ici? Non, Régine a eu un accident voici plusieurs années et aucun des médecins de la région ne put guérir la pauvre petite. Malgré tous les traitements, elle resta paralysée. Le malheureux père se résigna à se séparer d'elle malgré sa peine et il l'envoya à Boston dans une clinique moderne. Mais elle parle d'un retour probable. Où est-elle? Justement, voici pourquoi je vous ai fait venir. Quelqu'un a réussi à connaître son projet de retour avant que je l'apprenne. Et il l'a fait disparaître. Forrester? Lui et le colonel étaient demi-frères. Ils étaient du même père. De la diligence qui ramenait Régine, on n'a trouvé que des débris. Je lui avais envoyé le fidèle Trent, l'ordonnance du colonel, pour l'accompagner pendant ce voyage. Trent était bien le seul à qui je pouvais entièrement me fier. Mais ces brutes l'ont roué de coups. Et qui étaient ces brutes, Warren? Vous les connaissez? La racaille d'ici, Lord. Des gens payés par Forrester. Trent les recherche. Il croit qu'ils ont séquestré Régine près d'ici. Oh!
Félicitations. Tu ne serais pas le fidèle Trent. Dis donc, toi, on ne t'a jamais conseillé de frapper à la porte avant d'entrer. Du fait. Tu t'es endormi, hein, et la garde, salaud. J'ai fait une erreur. Je suis pas Miguel, je suis trompé. Chez nous comme chez eux. Tire sur ces idiots, emporte je ne sais quoi, et on les laisse faire. On reste là, bien sagement, sans bouger. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu as peur, père de ces fripouilles, et surtout de cette ordure de Lord. Calme-toi, Jason. Laisse-moi réfléchir. Il est certain qu'il venait pour essayer de trouver quelque chose d'important. Mais quoi? Ça ne nous avance pas de le savoir, Forrester. L'important est que Lord ait pris cette chose. Maintenant, il suffit qu'on ne le perde pas de vue et il nous conduira tout droit au trésor. Ça me semble très logique. Tu entends, Jason? Tu ne dois sous aucun prétexte t'attaquer à lui sans que je t'en donne l'ordre. Toujours tes discours. La meilleure des méthodes est bien la plus simple. Si tu la rejettes, tu t'en repentiras. J'ai compris, père. Entendu. Lord. Alors, est-ce que je continue à chercher? Oui, Trent. Et bonne chance. Et s'il ne trouve pas cette fille tout de suite, dis donc, elle est peut-être en danger. Oh, ne t'en fais donc pas. Dans ma carrière, j'ai jamais entendu dire qu'on tuait la poule aux œufs d'or. Je me demande pourquoi t'as pas dit à ce type qu'on avait le bouquin. Hé, hey, Lord. Parce que je ne me fie à personne.
Non, à personne. Sauf à toi, bien entendu. Puisque te voilà devenu mon fidèle chien de garde. C'est vrai. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je ne t'affirme rien, mais j'entrevois pas mal de distractions. Dangereuses, comme d'habitude. On n'aura pas le temps de s'ennuyer. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Blackie? Tu as peur? Non, non, non. Allons, Blackie, tiens-toi prêt. Je vais faire du sport. Non, je vous en prie, patron. Il ne faut pas recommencer ça. Non. Remue-toi. Patron, j'ai peur. Laissez-moi partir. Jason! Jason! Oui, père. Les choses tournent mal. Viens, nous devons prendre une décision. Les discours habituels. Tu m'as bien compris. Désormais, nous devons agir avec prudence. Et tant que Lord et Burke n'auront pas quitté le village, personne ne doit s'approcher de la villa du puits. Pour aucun motif, Jason. Être ou ne pas être. Bah, père, jamais ils nous pourront la trouver. On peut entrer? Il ne voulait pas me laisser passer. Je vous dérange, Forrester? Quel curieux visiteur! Le fameux Lord! C'est courageux d'être venu tout seul. Tu as vendu ton chien de garde? Tais-toi, petit, et prends garde au vieux chien qui morde. Je me rends compte que j'ai commis une grande erreur en vous faisant une proposition honnête, monsieur Lord. Je vois que vous n'hésitez pas à pénétrer et à vous installer chez les gens. Un cigare. Pourquoi pas? Ne vous dérangez pas. Non, non, il n'aime pas fumer. Il n'a qu'une seule petite manie. Il tue les salauds. Eh oui. J'avais déjà entendu parler de vous comme d'un homme très fort. Je comprends pourquoi. Vous êtes intelligent. C'est vrai. Je suis peut-être un type pas très honnête, mais ceux qui gardent une fille prisonnière, comment les appelle-t-on? Hein? Qu'est-ce que c'est? Une devinette? Disons que c'est une proposition. Il existe une chose que m'a donnée le juge Warren avant de mourir. Et vous détenez la fille. Disons que je pourrais peut-être vous faire savoir où elle se trouve. Continuez. Où voulez-vous en venir? C'est simple. Si nous pouvions réunir ces deux choses-là, ça ne serait plus qu'un jeu pour nous de découvrir cet or. Mais... Burt et moi, on n'est pas exigeants, on se contentera de la moitié. Ça me semble raisonnable. Et comme vous connaissez le chemin de la maison, prenons rendez-vous pour ce soir. Non, je vous remercie, mais je ne veux pas abuser de votre aimable hospitalité. Vous connaissez la vieille écurie au bout du pays? On peut y être à cette heure. C'est entendu. Je comprends pas ce que t'as en tête. Fais-moi confiance. Thank you.
Vas-y, Jason. T'as entendu ton papa, Jason? Obéis, allons. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? J'ai compris que tu voulais la bagarre, Forrester. Tu es satisfait? Je vais te rassurer. Mon genre n'est pas de m'amuser à tuer des ordures comme toi. Bert! Avance, petit. C'est la deuxième fois que je te trouve sur mon chemin. Mais je te promets, Lord, que si on se rencontre à nouveau, je ne te manquerai pas. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux éviter une prochaine fois. Si tu tiens à ta peau, c'est un bon conseil. C'est un véritable échec, Monsieur Forrester. Soyez bon joueur. Vous avez cru que j'étais assez bête pour venir vous apporter cette chose qui vous intéresse tellement. Votre fils va faire une promenade avec nous jusqu'à la sortie du pays. J'ai maintenant toutes les raisons d'être sur mes gardes avec un type de votre genre, Forrester. Forrester. T'as vu, tu vois trouble. Je te dis que si, c'est lui, le bon Jason. C'est Jason Forrester. Tu crois? Ils sont gonflés, ces deux-là. Je voudrais pas être à leur place. Ils risquent leur peau. Il a pas l'air heureux, le fils à son papa. Eh bien, cousine, tu as enfin retrouvé la mémoire? Dis-moi où se trouve l'or. Je ne sais rien, je te le jure, Jason, c'est vrai. C'est la vérité, je t'assure. Non, ne me frappe pas. Je t'en prie, réfléchis. Je suis enfermée dans cette maison depuis mon retour de Boston. Et pourquoi me torturer? Je ne peux rien te dire, Jason, puisque je ne sais rien. Petite garce, tu mens! Car tu le sais, ma chère cousine, et je saurais te faire dire où est cet or. Mais chaque chose en son temps.
D'abord, tu vas écrire une lettre. Et si tu refuses d'obéir, je te livrerai à mes hommes et ils s'amuseront. Je crois bon de t'avertir que ta présence ici les a probablement émoustillés. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie, cousine? Tu vas écrire. Allons, écris! Lord. Non. Monsieur Lord. Restituez immédiatement à Jason Forrester ce que vous avez subtilisé au ranch. Si vous refusez, j'ai la preuve qu'il me tuera. Si vous refusez, j'ai la preuve qu'il me tuera. Je vous en supplie, venez vite. Je vous attends ce soir, Régine. Tu vois, je savais que Jason était un impulsif. Nous l'avons fait sortir de sa tanière et il nous met gentiment sur la piste de Régine. Qui t'a remis cette lettre? Bah, il a eu l'audace d'entrer, alors. La lettre, tu crois que c'est sérieux? Je crois bien que oui, Bert. Jason est un individu très capable de tuer cette fille, ne serait-ce que pour arriver à ses fins. Mais il n'en aura pas le temps, crois-moi. T'as encore une idée? Je n'ai pas changé d'idée. Oh non! Ça a mal marché l'autre nuit, les gars. Le patron est furieux. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de continuer à nous payer tant que ces deux types se fichent de lui. Il en a aussi après son fils qui n'en fait qu'à sa tête. Bref, on ne doit obéir qu'aux ordres du père. Faut qu'on aille le voir. Il veut nous parler. Allons, dépêchons. Alors, fillette, tu voudrais faire un tour dehors, hein? C'est dommage que tu sois estropié, parce que tu me plairais bien, tu sais. Je suis certain que personne t'a jamais fait la cour, ma jolie. Hein? Je parie que t'as jamais fait l'amour. Et moi, est-ce que je te plais? Le jeu est terminé, salaud. Enlevez vos ceinturons.
Mademoiselle Régine. Mademoiselle Régine, n'ayez pas peur. C'est moi, Trent. Vous ne vous rappelez pas de moi? Je suis votre fidèle Trent. Trent? Va, emmène-la dehors. Mettez vos ceinturons dans le baril. Dépêchez-vous. Alors, vous avez entendu? Hey! Encore un moment, mademoiselle, on a bientôt fini. Dépêche-toi, Trent. Conduis-moi à la maison. Qu'il aimait tant. La maison de votre enfance où vous avez été heureuse. Vous vous rappelez, Régine, là était votre chambre. Et c'était là que pendant les longues soirées d'hiver, tous les deux bien au chaud, devant la grande cheminée, votre père lisait les poèmes que vous préfériez. Vous aimiez écouter sa voix. Parfum de rose effleure mon âme comme un trésor caché que seul toi et moi connaissons. Que seul toi et moi connaissons.
que rien ne séparera. Tant que mon amour durera. Je ne me rappelle plus. Je dois. Il faut que je me rappelle. Je voudrais tant. Je crois qu'il y a de la visite pour nous. Cache-toi. Regardez-moi ce frossard. Occupe-toi d'elle. Chose s'entretuer, Régine. Croyez-moi, ils se ressemblent tous et ils ne valent pas cher. Ce sont d'ignobles assassins qui n'hésiteraient pas à tuer père et mère pour se procurer de l'or. Un léger parfum de rose. Comme un trésor caché.
le trésor. Et dans le jardin. C'est ça. Là où se trouvaient les roses. C'est ça le secret. C'est vrai, oui. De m'écouter et de suivre le conseil d'amis que je vous donne. Lord et Burt ne sont pas meilleurs que les autres, ce sont des canailles. Il ne faut pas leur révéler que vous savez où est Lord, vous entendez autrement. T'as vu comment il a foutu le camp, il courait, le salopard. J'arrivais pas à tirer assez vite avec cette machine-là. Burt, tu n'es jamais satisfait. Tu voudrais les descendre tous. Sois pas égoïste, laisse au moins un gardien au père Forester. Je vous remercie. Eh bien, Régine, où est le livre? Vous êtes satisfait, Monsieur Forester? Les roses, le puits et le saloir. Pensez que ce problème était simple. Trop simple, sans doute. Et c'est probablement pour ça que je n'arrivais pas à le résoudre. Mais tu es fou. Qu'est-ce qui te prend? Non, Forester. Tu croyais que je sauvegardais tes intérêts, idiot. Eh bien, cet or sera à moi. Rien qu'à moi. Non, Trent! Non! Les roses, Lord. Maintenant, je comprends ce que mon père voulait dire par ces vers. Un léger parfum de roses, comme un trésor caché. Mais oui, il existait une serre, il y a très longtemps, là où se trouve un saloir maintenant. Et les rosiers étaient à côté du puits. Tu es vraiment très fort, Trent. Oui, très fort. Je crois que je vais réussir. Ils vont être pris au piège comme des lapins. Et mon père est d'accord? Il n'a pas dit un mot. Attention, les voilà. Allez-vous-en. Quelle nouvelle? Rien de particulier. Tout est calme. Peut-être que ces canailles sont fatiguées. C'est très possible. Mais moi, je vais avoir le plaisir de constater qu'ils sont morts. Bon, on s'en va. Burt, rappelle-toi que tu es mon chien de garde, mon vieux. Pour te défendre, j'ai toujours plusieurs balles. Est-ce que je vous accompagne? Non, cette affaire ne les concerne que nous deux. Veille plutôt sur Régine. Qu'un vrai chien de garde n'a aucun flair. Tu feras bien de te dépêcher de le tuer.
Ce vieux corneau peut très bien se réveiller et te mordre les fesses. Ça se pourrait. Mais je connais le moyen de lui casser les dents. Qu'est-ce qu'il y a, petite tête? T'as perdu toute ta vigueur? Tu ne t'amuses plus? Bonjour, monsieur Lord. Dites-moi un peu ce que vous voyez dans ce puits, Lord. Des cailloux. Seulement des cailloux. Si tu ne me crois pas, fais un effort. Viens, tu verras. Je ne suis pas du tout pressé, monsieur Lord. J'ai le temps aussi, Jason. Ah. Au fait, je voulais vous prévenir que Burt, malheureusement, va manquer à tous ses devoirs. Il ne viendra pas. Hey. Comment te sens-tu, vieux? Hein? Ah!
Fatigué, vieux. Moi, c'est tout le contraire. Je suis frais comme l'œil. Et maintenant, je vais commencer à m'amuser. Ah, tu t'accroches dur, mon cochon. Maintenant, je vais t'achever. Excuse-moi, j'ai été retardé. Je vois. Un véritable carnage, beaucoup de morts et tout ça pour rien. L'histoire du trésor n'était qu'un roman et on y a cru comme des enfants. Je vous dois tant. Mais pour vous remercier... N'importe qui aurait fait la même chose pour sauver la vie d'une jolie jeune fille, avec l'espoir de ramasser un beau tas d'or. Pour Bert, c'était plutôt un plaisir. Le plaisir de la chasse à l'homme. Au revoir, monsieur. Je vous souhaite toute la chance que vous méritez. Elle est peut-être en chemin, qui sait. Adieu, Trent. Je te confie Régine. Je suis sûr qu'avec toi, elle n'aura rien à craindre.
500 000 dollars. Nous avons réussi, Régine. Nous avons gagné la partie, mais j'ai risqué gros pour trouver ce trésor. J'ai joué un jeu dangereux seul contre ces canailles, tu le sais. Et ces lingots, ces 500 000 dollars qui sont là, m'appartiennent. Et puis toi, que saurais-tu faire de cet or? Toi, ma pauvre petite Régine, condamnée à passer ta vie dans un fauteuil d'infirme. Il vaut mieux mourir. Pauvre et fidèle Trent, la vraie Régine aurait pitié de toi. Mais je ne suis pas Régine Forester. Je vois que je te surprends. J'ai soigné Régine pendant des années. Et elle se confiait à moi. Elle me racontait tout. Jusqu'au jour où elle est morte, comme tu vas mourir. Trent, je vais te tuer. Toi, le fidèle Trent. J'ai la preuve qu'il me tuera. Cette lettre, c'est toi qui l'as écrite, n'est-ce pas? Mais ton écriture ne ressemble pas à celle de Régine. La tienne est l'écriture d'une femme qui sait toujours ce qu'elle veut. Mais au fait, comment est-ce que tu t'appelles? Ce n'est qu'un petit détail. Je me demande ce qu'une femme qui n'a même pas de nom pourra bien faire de tous ces lingots d'or. Une femme qui n'existe pas et que personne ne connaît.
guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me. Why? Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two faces like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm growling. Like a cop in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head. I just can't, I just fucking can't. Yes, I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. Yes, I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. There's nothing that you can do. I hope you can see. Hey, what you working like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they knew Jesus up. There's no fucking happen that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big. You fucking hideous. Set me free. And there's nothing that you can do.